Mince. Ah bah ça commence bien. Et j'ai encore oublié de mettre le son. Attendez, c'est flou, je vais essayer d'arranger ça. Non, pas trop. Pas trop, j'ai dit. Bon, attendez, là, il bug. Allez, quoi. Bon. Ça va, là, quand même. Ah, voilà. Bon, bah, yo, salut à toutes et à tous. C'est Dark Nassan de... Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur les Wings. Oui, je sais, ça fait un moment, mais j'ai eu des petites choses à faire. Et après, je me suis tordu la cheville, du coup... Ça a été compliqué parce que je suis obligée de m'asseoir. Bon. Bloom, quand tu seras sur Saint-Ia, peux-tu me rapporter tes deux échantillons de glace des grandes formations glacées? Ok, et comment on pourra sur Saint-Ia? Je ne sais pas quand ça va se produire, mais je suis certain que les sorcières et leur armée vont revenir. Nous devons être prêts. Il faut aller pour... Saint-Ia déjà. Oh, il faut demander à Knut, il me semble. Aller à tournoiage? Oui! Non, il faut aller en bas. Oh non, un garde! Vite, cachons-nous là-dedans! Vite, par ici! Merci, qui que vous soyez. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu, hein, mon vieux? Qu'est-ce que tu fais là? Où étais-tu passé tout ce temps? J'ai été idiot, je suis tombé amoureux de la mauvaise fille. Darcy et les deux autres m'ont enfermé dans ce sous-sol. Quand j'ai entendu leur plan, j'espère que vous me pardonnerez d'avoir été aussi stupide. Il n'y a rien à te pardonner, Riven. Pas de ça entre amis. Tout le monde fait des erreurs. Oh oui. Merci à tous. Mais qu'est-ce que vous faites là? Nous venons trouver un morceau de feu de dragon. Alors allons-y. Riven, tu n'aurais pas dû revenir. Il le fallait. Il y a des gardes partout et puis j'ai trouvé de l'aide. Nous sommes là pour vous faire sortir. Pour ouvrir la serrure magique des cellules, vous allez avoir besoin de ma boule de cristal. Trouvez les appartements sur le balcon de la grande salle. Allons-y avant que les gardes appliquent. Ouais, il est tombé parce que je crois que... Ben, je crois justement que c'est par là.
Tu as trouvé la boule de cristal de Miss Griffin. Ah bah allez, comme ça me fait gagner du temps. Attends, ah oui, c'est là. Attendez. Une minute. J'ai l'impression d'entendre un bruit bizarre. Merci d'avoir rompu le charme de cette cellule pour me libérer, petite fée. Garde ma boule de cristal, tu en auras besoin pour courir les... pour ouvrir les autres cellules. Ne t'inquiète pas, bientôt. Mais je crois que c'est par là. Je... Oh yeah, bitches! Je voulais pas de ces deux-là. Et bim. C'est ça? Oui, le feu du dragon. Maintenant que je l'ai récupéré, nous pouvons arrêter les sorcières. Je ne crois pas. Désolée, Bloom. Pas de feu de dragon pour toi. Les sorcières! Je vais récupérer le feu du dragon. C'est mon destin. Ça n'est pas ça, ton destin. Ton destin, c'est de t'es prisonnière ici pour l'éternité. Impuissante et responsable de la destruction du royaume de Magix. Quel minable. Adieu, Bloom. Mais qu'est-ce qui arrive à... ma magie. Vous avez été trois vilaines étudiantes. Et je suis forcée de vous mettre en prison. Bloom, toi et tes amis, filez vers la sortie. Je ne peux retenir ces trois-là que pour un moment. Mais, Miss Griffin! Ne t'en fais pas pour moi, Bloom. Je vous rejoins à l'entrée. J'ouvrirai un portail vers Alphéa. Allez-y maintenant! LOL! Je passe au travers de ces trucs que je sais pas comment on dit. D'accord. Nous sommes là, Miss Griffin. Miss Griffin. Oh non, pourvu que les sorcières ne l'aient pas vaincue. Je suis là, jeune fille. Maintenant, fermez les yeux. Je vous ramène tout ça à faire. Tu as une nouvelle entrée de journal. Bloom, tu es de retour. Nous ne savions pas ce que tu étais devenu. À ton oral, je vois que tu as réussi. Oui, j'ai retrouvé le pouvoir du feu du dragon. Tu arrives juste à temps, les sorcières ont lancé leur offensive finale. Elles veulent détruire Alphéa. Bon, nous y sommes. Tu y arriveras, Bloom. Montre à ces sorcières ce dont est capable une vraie fée. C'est juste à toi de jouer, Bloom. Fais-le pour Alphéa. Quand tu seras prête, Bloom,
Je te ferai sortir de notre périmètre. Sois prudent, Bloom. Tu as une nouvelle photo. C'est mignon. Je suis si heureuse d'avoir rencontré Sky. Alors, vous êtes tous prêts, les amis? Parce que là, ça va chauffer. Je vais en profiter pour recharger mes cœurs. Oh, attendez une petite rigolade avant. Musa, tu es la dernière personne auprès de laquelle je me suis pas encore excusée. Toi, t'excuser? Tu peux en effet. Je crois qu'il vient de le faire. Allez, embrassez-vous et réconciliez-vous. L'embrasser? Lui? Moi? Ne me touche pas, Riven! Ils sont mignons. D'abord, je recharge mes petits cœurs parce que là, et je sauvegarde la partie parce qu'on va en avoir bien besoin. Une fois, ça me rappelle, j'ai oublié de sauvegarder alors que j'étais sur le point d'affronter les sorcières et quand j'ai perdu, oh là là. Veux-tu vaincre les sorcières pour sauver la dimension magique? Oh yeah! C'est parti! Non, c'est très simple. Tu mets des floras. Ranime-moi. Une de vaincue. C'est la Darcy. Et maintenant, à toi, Stormy. Eh oh! Je voudrais essayer d'avoir Stella pour vaincre Icy. Douille. Bon, c'est pas grave, j'essaie de garder. On l'a déjà vu. Et de une.
Et j'avais touché. Et bim! Et maintenant? Viens m'aider, Stella! Viens m'aider, Flora! Et bim! 2, 3! Yes! Flora! Flora, tiens bon! Je te tiens! Nous devons relier nos pouvoirs! Accrochez-vous! Et si on se sort du cours de gym? Transformation, notre wings en mur d'argent. Nous rebondissons dessus comme des balles en caoutchouc. Hein? C'est le moment d'utilisation de donjon volant. Beau travail. Oh, vous aussi. Unis, les Winds ont réussi à vaincre les sorcières et à sauver Magix. Malgré toute la gloire qui les entourait, Bloom et ses amis n'avaient qu'une envie, retrouver une vie normale et continuer leur amitié avec les spécialistes. Eh ben, bon, cet épisode a été un peu court, c'est vrai, mais au final, il était quand même pas mal. En tout cas, Stella m'a été d'une grande aide. Et ouais, la fin. Ah oui. Bon, eh bien, j'espère que ce petit let's play vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Bon, c'était Darknia102 qui vous dit hasta la vista, les cocos!